Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 9 de Au coin du Blu-ray. Épisode 9 dans lequel on va changer de lettre, puisqu'il est fini de parler des C, il est grand temps de parler des D. Et dans les D, j'ai beaucoup de choses, allant de Dunkerque, très bon film dont je n'ai pas plus besoin de parler que cela, et également le Dain, dont je n'ai pas vraiment non plus besoin plus que cela d'en parler, puisque ces deux films, vous avez des critiques sur la chaîne. Mais dedans, il y a un premier film dont j'avais très envie de parler. Un premier film qui a une atmosphère toute particulière et surtout une saveur unique en son genre, puisqu'il s'agit donc du premier film d'un réalisateur français extrêmement décrié, qui a tout de même réussi à marquer les esprits, même encore aujourd'hui, et dont le premier long métrage reste encore à ce jour pour moi une petite claque et une sacrée surprise, puisqu'il s'agit du Dernier Combat, premier long métrage de Luc Besson, adapté de son court métrage L'Avant-Dernier. L'histoire, elle est extrêmement simple, c'est les quatre derniers hommes sur Terre qui ont survécu à l'apocalypse et ils vont se foutre sur la gueule. Je vois pas vraiment comment raconter ça plus subtilement, sachant que le film est assez court, qu'il n'a pas de dialogue, qu'il a une ambiance très particulière et que surtout il a une saveur particulière. Parce que bon, bien évidemment, c'est le premier long métrage de Luc Besson. Donc, il y a un petit peu tous ces gimmicks qui sont placés, il y a surtout son ambiance, son atmosphère et son style qui prennent déjà bien corps au sein d'une œuvre extrêmement simple, qui consiste vraiment à uniquement jouer sur ce qu'il se passe à l'écran et non sur les dialogues. Chose qui, vous le savez, n'est clairement pas le point fort de Luc Besson lorsqu'on regarde ses derniers longs-métrages. Les dialogues sont généralement les trucs sur lesquels on a un peu du mal à se reposer, et là, Luc Besson le démontre bien, notamment au travers de Lucie et de Valérian, où les dialogues sont assez nuls. Mais donc, du coup, son premier long-métrage, il avait compris à ce moment-là que les dialogues, c'était pas forcément utile, et qu'on pouvait s'en passer pour réussir à raconter une histoire correctement. Et c'est exactement ce qui se passe avec Le Dernier Combat. C'est une histoire très simple, réduite à son essence la plus pure, qui du coup a besoin juste d'une esthétique pour réussir à fonctionner. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le travail de Jolivet et de Besson, du coup, qui ont bossé ensemble pour créer cette œuvre, est constamment dans cette idée de vouloir revenir à une espèce d'origine du cinéma. Un peu comme, j'en sais rien, des Jean-Jacques Hano ont pu essayer de le faire à une époque en essayant vraiment d'épurer le plus possible leurs œuvres et d'amener uniquement l'image comme étant le messager le plus pur et le plus simple d'un code, d'un genre ou d'un style de cinéma. Et c'est ce qui se passe avec Le Dernier Combat. Le Dernier Combat cherche uniquement à embarquer le spectateur dans un univers, à le plonger à bras-le-corps dans cette ambiance, à construire un espèce de tout qui du coup va résonner comme étant une vraie proposition de cinéma. Et c'est ça qui marque en fait, c'est que mine de rien, dès ce premier film, Luc Besson place son cinéma comme étant un cinéma d'expérience. Un cinéma dans lequel on va s'immerger à fond. Et on retrouve ça ensuite dans tous ses autres films. Lorsqu'il choisit d'aborder un genre, il ne le fait pas avec le dos de la cuillère. Lorsqu'il aborde Léon, c'est un thriller qui va jusqu'au bout de son aspect de thriller. Lorsqu'il fait Le Cinquième Élément, c'est un film de SF fantastique qui va jusqu'au bout de l'effet SF fantastique. Si vous regardez Le Grand Bleu, c'est un drame qui va aller jusqu'à reproduire les scènes d'apnée en vrai. Ça n'est jamais un cinéaste qui cherche à faire du factice ou qui cherche à se servir des effets spéciaux uniquement pour faire en sorte que son œuvre fonctionne. Et moi, c'est ça qui me marque finalement avec Luc Besson, c'est que dès son premier film, il y a cette envie de vouloir nous rappeler que le cinéma, c'est à la fois des artifices, mais en même temps que ces artifices, ils doivent servir un propos de cinéma. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert d'un décor désertique absolument magnifique. Il utilise vraiment le plus possible des petits objets du quotidien pour jouer sur ce côté post-apocalyptique. Il cherche vraiment à pousser les acteurs dans leur retranchement, à jouer sur des petites motivations extrêmement simples mais qui suffisent à faire tenir les personnages. Moi, c'est ça en fait qui m'embarque dans Le Dernier Combat. C'est cette idée qu'on a un cinéaste qui peut-être, par la suite, va peut-être abuser de certains effets, mais qui au moins dans ses premiers faits d'armes, a réussi à aller dans cette direction le plus possible et à nous proposer un divertissement avec le plus de sincérité imaginable. Derrière ça, bien évidemment, je n'ai pas forcément besoin de citer la présence très charismatique de Pierre Jolivet ainsi que de l'immense Jean Reno, qui joue un personnage que je trouve assez fou, même si on ne le voit pas beaucoup à l'écran, le personnage est vraiment fou et fonctionne du feu de Dieu. Mais dans l'ensemble, le casting est très très bon, réduit à son essence la plus simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais il est très très bon. En ce qui concerne les bonus sur cette petite jaquette, eh ben c'est vide. Au moins c'est simple. En même temps, le film est un peu vieux. Je pense que lorsqu'il a été créé, il n'y avait pas forcément l'idée que ça ferait un carton ou que Luc Besson réussirait tout de suite à poser la vision qu'il avait du cinéma français.
Donc peut-être que ça joue aussi en la défaveur du long métrage, mais bon, il n'y a vraiment pas de bonus, donc c'est un peu compliqué là-dessus de vous conseiller le Blu-ray plus qu'un DVD, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Mais en tout cas, Le Dernier Combat, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille très fortement, parce que je pense que c'est un film qu'il est important de redécouvrir pour comprendre où Luc Besson a démarré. Et surtout comment Luc Besson a démarré le cinéma. Comment il a choisi de placer son œuvre, comment il a choisi de placer ses gimmicks, comment il a choisi de construire un style qui par la suite ne fera que s'étoffer. Enfin, c'est un film qui est intéressant. Lorsque aujourd'hui on regarde un petit peu du coin de l'œil la filmographie d'un metteur en scène français qui reste tout de même assez impressionnant dans son genre. Donc ouais, regardez Le Dernier Combat de Luc Besson, ça devrait vous plaire. Ainsi s'achève cet épisode 9 de Au coin du Blu-ray. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu et si vous avez vu ou pas encore vu Le Dernier Combat, mettez-moi dans les commentaires, on en discutera. J'espère vraiment que vous l'apprécierez parce que ça me ferait un peu suer parce que Luc Besson déjà qui se fait un peu conchier à gauche et à droite et que là en plus il revient sur le devant de l'actualité avec des affaires un peu sordides, j'espère au moins que son cinéma suffira quand même à vous le faire apprécier parce que sinon il n'a pas grand chose pour lui, pauvre bonhomme. Et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray même quand celle-là est vide, ce qui est un petit peu dommage.